Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'initiation à l'indépendance en binaire. Alors aujourd'hui, nous allons revoir les rythmiques que nous avons vues précédemment, sauf qu'on va les travailler différemment. C'est-à-dire que cette fois, ce sont ces rythmiques grosse caisse, caisse claire qu'on va tenir et les jeux de cymbales qui vont varier. Donc on va enchaîner. Pour commencer à travailler ça, nous allons considérer notre rythmique grosse caisse caisse claire comme un ostinato. Exactement comme dans la vidéo précédente, l'ostinato était le jeu de cymbales, hein. C'est ça la définition de l'ostinato, c'est quelque chose qu'on va garder, qui va tourner en boucle. On se placera toujours rythmiquement sur le métronome, sur le clic, alors le mieux possible évidemment. Et là, l'idée, c'est de garder un groove, une pulsation, hein, ce qui sera plutôt le cas dans un morceau de musique en général, et de varier, de libérer un peu la main forte. Sur la cymbale.
Alors voilà pour les exemples. Alors vous avez pu remarquer que la séquence, enfin l'enchaînement des séquences de cymbales n'était pas toujours dans le même ordre. Alors ça, c'est parfaitement voulu. Ça, il faut bien que vous habituiez à des ordres différents. Il faut varier tout ça. À la limite, vous pouvez même changer de jeu de cymbales, toutes les mesures, toutes les quatre mesures, tous les deux temps, tous les temps. Bref, ça c'est comme ça que vous allez les digérer, si vous voulez. Le but, c'est de libérer votre main, donc d'être à l'aise avec tous les jeux de cymbales, de passer de l'un à l'autre absolument quand vous voulez. Et c'est ça qui compte, quand vous voulez. Et donc après, c'est à vous de décider à quel moment ça va sonner par rapport au contexte sur lequel vous allez jouer. Le contexte, c'est la musique, votre plaisir ou votre envie du moment. Voilà. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous aura permis de décortiquer certains trucs et puis de vous amuser un petit peu. Je vous propose toujours pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou à me contacter pour prendre des cours. Et puis voilà, amusez-vous bien, continuez, et puis la prochaine fois, nous verrons le ternaire. Voilà, bonne soirée, au revoir.